Vincent Parizeau, RTL Matin. Bonjour Anne Fulda. Bonjour. Euh, on va vous retrouver hein, cette semaine dans ce fauteuil d'empêcheur de penser en rond. Et ce matin, vous voulez euh, revenir sur l'affaire Florence Cassé, Après, on le rappelle, le rejet du pourvoi en cassation de la jeune femme qui a donc été condamnée, on va dire définitivement, à, à 60 ans de, de prison pour complicité d'enlèvement. Affaire qui provoque depuis jeudi un très net refroidissement diplomatique entre Paris et Mexico oui les parents de florence cassé reçus aujourd'hui à l'élysée par nicolas sarkozy qui devrait à l'issue de cette entrevue donner la position officielle de la france les chancelleries de france et du mexique en émoi une crise diplomatique sans précédent entre deux pays traditionnellement amis. Depuis jeudi, depuis que les magistrats de la cour de cassation mexicaine ont rejeté le recours de Florence Cassé, condamnée à 60 ans de réclusion en mars 2009, c'est l'escalade. La France et son ministre des affaires étrangères, Michel Alliomari, empêtrés dans une polémique concernant ses vacances au soleil, avaient été singulièrement absents de la scène diplomatique ces dernières semaines. On ne l'avait guère entendu évoquer la crise qui embrasait la Tunisie, guère plus concernant la situation en Égypte, et voici qu'elle revient en session de rattrapage, portant haut les valeurs de notre pays, s'indignant à plein poumon pour protester contre le sort réservé par la justice mexicaine à la jeune Française. Dès vendredi, en effet, la ministre a dénoncé une décision inique, un déni de justice, et a annoncé qu'elle ne partirait à aucune manif... participerait à aucune manifestation de l'année du Mexique en France. Elle a également convoqué l'ambassadeur du Mexique à Paris et a assuré que cette décision allait peser sur les relations bilatérales des deux pays. Mais apparemment, ça vous étonne, mais euh, quand on connaît les zones d'ombre de cette affaire, on a quand même du mal à se dire que cette jeune Française risque de passer des années et des années en prison. Évidemment, et alors que la décision des juges mexicains met fin à tout autre recours au Mexique, on ne peut que compatir avec le sort de cette jeune Française détenue dans les prisons mexicaines depuis 2005, avec sa douleur et celle de ses parents, bien sûr. Tout le monde se souvient du visage d'ange éploré de Florence Cassé, de ses images, de son arrestation qui avait été diffusée à la télévision mexicaine et présentée à l'époque par les autorités mexicaines comme un reportage en direct, alors qu'il s'agissait en fait d'une mise en scène, d'une reconstitution, comme avait pudiquement indiqué la police par la suite. Néanmoins, on peut s'interroger aussi dramatique et injuste soit le sort de la jeune femme, aussi importante soient les zones d'ombre et les irrégularités qui entourent cette affaire, Est-il justifié qu'elle débouche sur une crise de cette ampleur? Et surtout n'est-il pas contre-productif, comme s'est interrogé François Bayrou, de mettre sur la place publique et de porter à un tel niveau une affaire aussi délicate que celle-là? Florence Cassé, elle-même, abattue, effondrée, a indiqué à l'AFP qu'elle préférait que l'on n'annule pas l'année du Mexique en France, mais que l'on en profite pour évoquer sa situation le plus possible. Un ancien ministre des Affaires étrangères est, lui, dubitatif sur la position adoptée par la France. C'est disproportionné et inconséquent, juge-t-il en privé, en rappelant que la diplomatie française a déjà eu à traiter des cas similaires concernant des Français emprisonnés en Thaïlande, en Thaïlande par exemple. Aussi populaire dans l'opinion française soit cette réaction de Michel Aliomari, elle ne compensera pas pour autant sa perte de crédit depuis ses vacances tunisiennes, juge-t-il. En tout cas, voilà qui ne va pas faciliter la tâche de Nicolas Sarkozy à la veille de la présidence du G20. Le président mexicain, Felipe Calderón, va en effet succéder au président français à la tête de cette instance et les deux présidents vont devoir travailler ensemble de la difficulté, une fois de plus, d'accorder raisons d'État et raison du cœur, diplomatie de l'émotion et diplomatie tout court. Et c'était Anne Fulda que vous retrouverez toute cette semaine sur RTL, donc à demain. À...